saw her feet leave the floor, and she's out the door. 'Cause you want to keep her in your pocket, where there's no way out now. Put it in the safe and lock it, 'cause it's home sweet. And in your own mind, you know you're lucky just to know her. Et voilà, sur les pentes du Myrdal, qu'on voit tout au fond là-bas. On y sera demain sûrement, si la météo est toujours avec nous. But now you're scared, you think she's running away. Searching your hand for something clever to say. Don't go away, 'cause I want to keep you in my pocket, where there's no way. Bon, et voilà, on va bivouaquer sur le Myrdal. Sur Joël. Super beau en tout cas. Alors, il y a un peu de vent pour l'instant, j'espère que ça va pas trop se lever, que ça va pas être la tempête. On verra, il nous reste plus qu'une journée. Bon ben voilà, on est quand même vachement mieux à l'intérieur de la tente, il fait tout chaud. Et puis c'est magnifique. Allez viens Joël. Ah oui, il y a du vent. On est bien là. Jour 12, dernier jour normalement de l'expédition. On continue à remonter le glacier le Myrdal. Va Joël. Et normalement on va aller là-haut. Il y a le dôme, 1512 mètres. Point culminant de cette traversée de l'Islande. Allez, on l'a fait. On arrive à la fin du périple. Et dans le fond là-bas, et ben on voit Skogar et l'océan Atlantique Nord. Dernier jour, jour 13. Et bah c'est la tempête venue du nord cette fois, c'est encore super rude, on y voit que dalle, il neige, il y a un vent de folie. Bah voilà, on n'est pas gâté, on aura mérité cette traversée. Et dans 5-10 bornes, là l'océan là-bas tout droit. Voilà, et on y est bientôt.